Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous en cette journée du 5 mai. 5 mai où le monde entier célèbre l'un des plus beaux métiers, je dirais même plus le métier le plus noble. Pourquoi? Puisque ces personnes sont en première ligne dans la vie d'une personne. Dès la conception, pendant toute la grossesse, et jusqu'à la délivrance, c'est-à-dire à l'accouchement, les sages-femmes sont ces personnes qui aident la femme à donner la vie. Et aujourd'hui, nous célébrons ces braves dames et monsieur même, puisqu'il y a désormais des sages-femmes hommes, et c'est leur journée. En tout cas, cette journée se passe dans des conditions toutes particulières. Vous avez vu l'accoutrement, j'ai un masque. Donc, nous sommes en période d'urgence sanitaire avec le Covid-19. C'est pourquoi nous allons parler des sages-femmes, de leur journée, tout naturellement, et aussi les sages-femmes face au Covid-19. Et pour en parler, nous sommes avec Madame Aurélie Lougoussa. Bonjour madame. Bonjour madame, bienvenue. Et surtout, bonne fête. Hein? Merci, merci beaucoup. Malgré les conditions nous imposées par le Covid-19, nous allons quand même célébrer cette fête. Tout à fait. D'accord. Et le thème fixé par la Confédération internationale de la sage-femme et les sages-femmes avec les femmes. Madame Aurélie, la toute première question. Qu'est-ce que ce thème vous inspire? Vraiment, merci beaucoup, madame. Bienvenue. D'abord, pour commencer, j'aimerais d'abord souhaiter bonne fête à toutes les sages-femmes, partout où elles sont, qu'elles soient en confinement, qu'elles soient dans les maternités, parce que c'est là notre place. Je leur souhaite vraiment bonne fête à toutes les sages-femmes. Alors, s'il faut revenir au thème qui est décrété cette année par la Confédération internationale des sages-femmes, c'est les sages-femmes avec les femmes. C'est un thème tout à fait particulier, je dirais même plus particulier encore pendant que nous vivons pendant la pandémie. Mais naturellement, toutes les sages-femmes sont toujours à côté des femmes. Parce que le travail de la sage-femme même, depuis sa formation, elle a été formée pour accompagner la femme avant la grossesse, pendant la grossesse, pendant le travail d'accouchement, pendant l'accouchement même, même après l'accouchement et toute la vie. Parce que même après l'accouchement, la vie ne va pas s'arrêter là. Le partenariat entre la sage-femme et la femme ne va pas s'arrêter seulement à la maternité. Donc c'est toute la vie que les femmes sont liées aux sages-femmes. Donc je dis que ce thème, c'est très inspirant pour nous, sages-femmes, pour dire que nous devons toujours être à côté des femmes. Et c'est pour toute la vie. Voilà, vous l'avez si bien dit, la sage-femme est en fait l'épine dorsale du système de santé maternelle, et puisque elle aide la femme même avant, et vous venez bien de le confirmer, même après. Mais nous allons quand même revenir sur les génériques. Hein. Mm-hmm. C'est vrai, aujourd'hui, il y a le Covid qui est là. Mm-hmm. Mais pouvez-vous nous donner en détail le travail de la sage-femme? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle est différente d'une infirmière? Elle est différente d'un docteur? C'est quoi la sage-femme? Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Et je pense que nos réponses peuvent aussi aider les gens qui sont à la cité, qui pensent, qui ont peut-être une définition erronée ou une mauvaise définition par rapport à la sage-femme. Il y en a même qui parlent des femmes sages, sages-femmes, mais c'est un peu une confusion dans notre communauté. Alors, une sage-femme, c'est qui? Une sage-femme, c'est d'abord un professionnel de santé à part entière. Donc, un professionnel de santé qui a suivi une formation universitaire, je le précise bien, universitaire, de 3 ans, selon les normes de notre pays. Et au bout de ces 3 ans-là, elle est appelée sage-femme. Et quel est son travail? La sage-femme, quand elle finit, elle est formée uniquement ou exclusivement pour s'occuper de la femme et du nouveau-né. C'est-à-dire quoi? Avant même la conception. Donc, elle a reçu les compétences dans les soins préconceptionnels. Avant que la femme puisse tomber enceinte,
elle peut demander le conseil auprès d'une sage-femme. Vous voyez? Donc le travail de la sage-femme commence même dès la conception. Et dès que la femme a conçu, là, elle est enceinte. Et généralement, toutes les femmes enceintes, pour qu'elles soient rassurées, pour qu'elles soient en sécurité, elles doivent consulter à l'hôpital. Et à l'hôpital, elle ne va pas consulter n'importe qui. Elle va consulter une sage-femme. Et une sage-femme a reçu les compétences pour accompagner les femmes pendant sa grossesse. Pendant sa grossesse, et là nous parlons communément des consultations prénatales, les CPN, et nos mamans parlent beaucoup plus de kilos, donc ce sont les CPN, et c'est le travail de la sage-femme à ce niveau-là. Donc la sage-femme a les compétences qu'il faut pour détecter toutes les complications, s'occuper d'une grossesse physiologique tant qu'il n'y a pas encore un problème. Et quand la femme vient accoucher, elle ne va pas s'adresser à n'importe qui. La sage-femme a reçu les compétences qu'il faut pour accompagner la femme pendant qu'elle est en train de travailler, pendant qu'elle a les douleurs d'accouchement. Elle a les compétences qu'il faut, comment suivre cette femme-là pour qu'à la fin, que la femme et le nouveau-né soient en bonne santé. Et pendant l'accouchement aussi, tout le monde peut diriger l'accouchement. Tout le monde à l'hôpital peut diriger l'accouchement. Mais la façon dont la sage-femme doit diriger l'accouchement, c'est tout à fait différent des autres professionnels parce que c'est ça sa formation. Elle a été formée pour s'occuper de la femme, donc pour faire les accouchements sécurisés de ces femmes-là. Et après l'accouchement aussi, la sage-femme est formée, elle a les compétences qu'il faut pour s'occuper du nouveau-né qui vient de naître. Si c'est un nouveau-né normal, il y a une ligne de conduite à suivre. Si c'est un nouveau-né qui nécessite une réanimation ou des soins appropriés, la sage-femme doit commencer déjà la réanimation du nouveau-né depuis la maternité. Mais si le nouveau-né demande maintenant les soins appropriés, bien les soins avancés, là, la sage-femme peut référer, bien peut céder au néonatologue. Mais de tout ce qui est physiologique jusque-là, du nouveau-né et de la femme, c'est le travail de la sage-femme. En dehors de tout ce qui est grossesse, accouchement et les postpartum, la sage-femme aussi a les compétences qu'il faut pour aider les femmes à adopter les méthodes de contraception. Donc la planification familiale, c'est aussi l'affaire de la sage-femme. Très bien. Alors ici, en République démocratique du Congo, nous avons la Société congolaise de la sage-femme. Cette société existe depuis quelques années. Madame Aurélie Lukusa, la question est de savoir, est-ce que la Société congolaise de la sage-femme, peut-être avec d'autres partenaires, dont l'UNFPA et les autres, est-ce que vous vous êtes déjà mis ensemble pour peut-être changer de tactique par rapport à la situation actuelle du coronavirus? Vous l'avez dit dans votre exposé tout à l'heure, la sage-femme est en contact avec la femme, avec la femme avant l'accouchement, l'accouchement. Et maintenant, avec la situation du Covid-19, les données ont presque changé. Est-ce que, dans votre pratique, vous avez des nouvelles orientations par rapport au Covid-19? Merci. Un comportement adopté par la patiente, ben, on ne sait pas si elle est confirmée ou pas, mais est-ce qu'il y a des pratiques nouvelles par rapport au Covid-19? Merci beaucoup. Je peux dire que d'abord au niveau du pays, vous l'avez bien dit, nous avons une association qui regroupe toutes les sages-femmes de la RDC, c'est la Société congolaise de la pratique sage-femme. Et là, nous sommes en contact avec toutes les sages-femmes de la RDC. Et comme les données ont changé, parce que c'est une nouvelle maladie, et c'est pour tout le monde, ça nous a amené d'abord, nous tous, à changer notre façon de vivre, notre façon de se comporter, que ce soit à la maison, que ce soit en route, que ce soit partout. Mais c'est encore plus spécifique encore dans les maternités, là où travaillent les sages-femmes. Et comme vous le savez, on peut bien crier, on peut bien dire « confinement, restez chez vous ». Mais une femme qui est déjà enceinte, n'est-ce pas? Elle est déjà enceinte, et le bébé là était déjà confiné, et son temps est arrivé. Le bébé doit sortir. Le bébé était confiné pendant 9 mois. Pendant 9 mois, et il doit sortir. Et ce bébé là ne va pas attendre. Ce bébé là doit absolument sortir. Et pour cela, la femme qui était à la maison, elle doit se rendre dans une maternité. Et dans une maternité, elle va trouver la sage-femme. Et ce qui veut dire que les sages-femmes doivent aussi changer
leur façon de faire, à renforcer encore les mesures de protection, de sécurité envers elles-mêmes, envers les femmes. Alors, comme vous le savez, je venais de le dire, le Covid ne va pas empêcher une femme à accoucher, ni le bébé à venir au monde. Alors, nous sommes entrés, comme c'est, nous sommes dans la semaine de la sage-femme, parmi les activités que nous avons prévues à mener pendant cette semaine, c'est la sensibilisation, avec l'aide, bien sûr, l'appui de nos partenaires. Nous avons suggéré à faire des sensibilisations médiatiques comme nous sommes en train de le faire maintenant, pour dire aux sages-femmes que la maladie est bel et bien en RDC. Elle existe, c'est une réalité. Parce que jusque-là, il y a les gens qui continuent à douter. La maladie est bel et bien là. Et ça nous demande, nous tous, de changer notre façon de faire. Ou encore, si on le faisait, de renforcer encore, parce que la maladie nous donne encore un peu le stress, bien sûr, c'est le stress. Malgré ce stress-là, on ne doit pas abandonner ce qu'on faisait. Mais on demande juste, en dehors des mesures que nous avions déjà, d'ajouter, de renforcer encore, pour que et la femme qui vient accoucher soit en bonne santé, et la sage-femme, elle aussi, soit en bonne santé. Alors, nous avons pensé une sensibilisation médiatique comme nous le faisons, mais avec l'appui de nos partenaires aussi, à l'occurrence UNFPA, et l'OMS et les autres partenaires qui nous appuient, de descendre encore dans les maternités, sur place. On va créer les équipes de quelques sages-femmes qui sont déjà outillées dans la prévention et le contrôle du COVID-19. Donc, on va descendre dans les maternités pour sensibiliser encore les sages-femmes, pour leur dire que... D'abord les sages-femmes. Oui, d'abord les sages-femmes. Puisqu'elles sont au front, oui. Elles doivent être sensibilisées. Tout à fait. Pour ne pas faire paniquer la patiente, oui. la femme qui attend de donner naissance à son enfant. Oui. Donc d'abord les sages-femmes, on va leur sensibiliser, leur dire que non, la maladie existe, mais la maladie ne va pas empêcher les femmes à venir nous consulter. Pendant que les femmes viendront, voilà comment on doit se comporter pour à la fin qu'on ne puisse pas avoir une sage-femme infectée ou une femme qui était venue et qu'elle soit aussi infectée à l'hôpital. Donc, on va faire des sensibilisations comme ça auprès des sages-femmes d'abord, puis les femmes, parce que la protection, bien la prévention des infections ne concerne pas seulement les personnes de santé, bien les sages-femmes. Donc, c'est d'abord les sages-femmes, la femme, et la famille, donc la communauté, comme vous le savez dans notre pays, bon, en Afrique d'une façon générale, quand une femme vient accoucher, elle s'amène avec les membres de sa famille. Alors, ces membres-là doivent aussi bénéficier de cette sensibilisation-là. Dire peut-être que non, la culture, les coutumes demandent que vous soyez peut-être à 5 ou à 6 pour accompagner la femme, les représentants de la famille, de l'homme. Et là, la distanciation sociale n'est pas respectée. Ah oui, celle-là, ce n'est pas respecté. Ce sont ces risques-là que nous craignons et que nous pensons descendre sur terrain pour dire aux sages-femmes, dire à la communauté que la maladie existe et nous devons vraiment respecter les mesures qui sont... Voilà, les mesures barrières, apparemment, pour la sage-femme, sont de plus renforcées. Effectivement. Voilà. Effectivement. Puisque elle-même, elle ne doit pas contaminer la patiente ou le bébé. Mmh. Mais quand même une question de curiosité. Est-ce qu'une femme testée positive peut contaminer son enfant? Ah oui. Une femme... Dans le ventre. Donc, comme vous le savez, les études... c'est une nouvelle maladie. Hein? Les études sont en train d'être menées pour comprendre réellement comment fonctionne ce virus. Mais jusque-là, en tout cas, il n'y a pas encore une étude à notre connaissance qui est publiée pour dire que le bébé peut être infecté pendant qu'elle est encore dans l'utérus de sa mère. Mais si une femme qui est déjà infectée, mais qui était enceinte, elle vient pour accoucher. Alors là, il est demandé aux sages-femmes, donc nous demandons aux sages-femmes d'appliquer toujours les soins humanisés, parce qu'aujourd'hui, nous mettons l'accent dans la pratique sage-femme, nous mettons l'accent sur les soins humanisés.
les soins respectueux, les soins qui respectent les droits de la femme. Donc ça ne veut pas dire que quand la femme est Covid positive, il faut la regarder comme si c'était quelqu'un qui donc qui... vous évitez la discrimination. On évite la discrimination, mais on demande à la sage-femme de s'équiper, de se protéger. De s'équiper comment? Alors, ouais. C'est comme les mesures, d'abord il y a les mesures standards que nous appliquons chaque jour, c'est-à-dire chaque sage-femme, en allant travailler, elle doit avoir sa blouse, elle doit avoir ses bottes, elle doit avoir ses gants, elle doit avoir tout ça. Mais comme elle sera le contexte du moment, ça demande encore des mesures supplémentaires. C'est-à-dire quoi? Elle doit à chaque fois porter son masque. Porter son masque. Et dans les maternités, il y a des lunettes de protection. S'il n'y en a pas, nous avons actuellement dans les équipements qu'on va recevoir, il y a l'écran facial. L'écran facial, la sage-femme peut mettre l'écran facial. Et au-dessus de sa blouse, elle doit mettre aussi une surblouse ou bien l'établier qui doit être en plastique ou en caoutchouc. Parce que, comme vous le savez, la maternité, c'est du sang. C'est du sang et ça n'avise pas. Parfois, vous êtes là, vous pensez que tout allait se passer normalement. Mais quand la femme veut pousser, c'est le sang, c'est le liquide amniotique et c'est très dangereux pour la sage-femme. Donc, on demande à la sage-femme, même si la femme qui est en face d'elle est infectée, alors pour éviter qu'elle soit elle-même aussi infectée, elle doit ajouter ou bien compléter les équipements de protection individuelle en dehors de ce qu'elle utilise. Voilà, pour savoir si la femme est infectée ou pas, il y a une conversation entre la sage-femme et sa patiente. Bon, pour savoir d'abord pour si la femme est infectée, ce n'est pas jusque-là avec la sage-femme. Parce qu'actuellement, avec les mesures qui sont prises, il y a l'organisation du service de triage. Chaque structure, chaque maternité devrait avoir un service de triage qui est bien organisé, où déjà à la porte, on doit identifier les cas suspects. N'est-ce pas? Si le cas suspect est... Déjà quand la femme s'amène à la maternité, déjà au service de triage, on sait déjà que non, cette femme-là qui est là, et c'est un cas suspect. Alors comme c'est un cas suspect et qu'elle est en urgence, elle est en urgence, elle doit accoucher. Après, donc, parce qu'il faut qu'elle accouche d'abord et puis on va s'occuper du Covid. Parce que c'est une urgence. Donc elle doit accoucher. Donc la sage-femme est informée déjà qu'elle est en face d'une femme infectée. Et là, la ligne de conduite, c'est telle que nous l'avons dit ici, c'est déjà un haut risque. Elle doit ajouter les équipements pour s'occuper de la femme. Et dès que la femme a accouché, elle doit maintenant l'isoler. Ouais. L'isoler dans une chambre où elle est seule, avec son bébé bien sûr, parce qu'elle doit l'allaiter, elle doit prendre soin de son bébé, mais éviter tout contact avec les membres de la famille, les gens qui viennent de l'extérieur pour porter les bébés ou bien pour faire quoi que ce soit. Ouh, en tout cas, encore une fois, chapeau bas à toutes ces sages-femmes, à tous les sages-femmes, puisque vraiment ce n'est pas facile. Déjà qu'elles ont un métier compliqué et cette situation de la pandémie à Covid-19 vient encore compliquer les choses. Mais vraiment, vous tenez ça tête haute. Hein. Ouais, en tout cas, félicitations. Merci. Je le disais au début de cette émission que la Confédération internationale des sages-femmes a donné comme thème sage-femme avec les sages, avec les femmes. Mais il y a un sous-thème, Madame Aurélie. Est-ce qu'on peut comprendre quel est d'abord ce sous-thème et qu'est-ce que ce sous-thème implique? Alors, en dehors de sage-femme avec les femmes, il y a des sous-thèmes. Le sous-thème, c'est mobiliser, unifier, démontrer, c'est notre moment. En fait, c'est comme un slogan que la Confédération des sages-femmes lance pour que les sages-femmes puissent dire que nous avons la capacité de mobiliser. Mobiliser qui? Mobiliser à tous les niveaux. Mobiliser les autorités, mobiliser les femmes, mobiliser la population, mobiliser la communauté, mobiliser à tout moment, à tous les niveaux. Alors, unifier. Donc, nous, sages-femmes, on ne doit pas seulement se dire que comme on est sage-femme, on est professionnel à part entière,
Non, non, c'est, on travaille dans la multidisciplinarité. Donc, auprès de la femme a besoin de tout le monde. Elle a besoin des médecins, elle a besoin d'une infirmière, elle a besoin d'une sage-femme, elle a besoin même du biologiste si ça demande les prélèvements ou les examens à faire. Donc, on doit se réunir tous autour de la femme et démontrer. Qu'est-ce qu'on va démontrer ? On va démontrer nos réalisations. On va célébrer ce qu'on a fait. On va célébrer le travail que nous faisons chaque jour. Démontrer que malgré le Covid, voilà, nous sommes là. Malgré le Covid, les sages-femmes sont là. Malgré le Covid, les nouveaux-nés, les femmes doivent arriver. Et que nous serons toujours ensemble avec eux. Et nous devons démontrer notre capacité de sauver les vies même dans les situations difficiles. Comme le Covid. Le Covid est là, c'est une situation difficile. Criée partout dans le monde. Mais malgré ça, une personne qui a la fièvre, qui a ou bien une autre maladie, il peut se dire, non, je peux me soigner à la maison. Mais la grossesse, non. La grossesse, non. Le bébé doit sortir et pour que la femme se sente sécurisée, elle doit se rendre à la maternité. Et à la maternité, elle ne sera pas seule. Elle sera avec une sage-femme. C'est comme ça que cette année, on dit les sages-femmes avec les femmes et ça tout le monde. Oui, Madame Aurélie, la journée d'aujourd'hui, 5 mai, coïncide avec la journée mondiale de lavage. De l'hygiène des mains. L'hygiène des mains. Oui. En tant que sage-femme, qu'est-ce que ce thème, de, non, enfin, cette journée de lavage des mains implique dans votre profession? Moi, je peux dire aussi que ça coïncide bien. Ça coïncide bien surtout dans le contexte du moment qu'on puisse parler de la journée internationale de la sage-femme et ça coïncide aussi avec la journée de l'hygiène des mains et ça coïncide aussi avec, avec la présence du COVID. Où on est obligé de laver les mains à tout moment. On nous dit qu'il faut laver les mains et c'est l'occasion aussi que je profite pour parler d'abord aux sages-femmes et tous les personnels qui travaillent dans les maternités. Dire qu'on peut tout faire, on peut porter les gants, on peut avoir tous ces équipements qu'on nous a montrés, qu'on va vous doter, mais les gestes clés pour prévenir l'infection, c'est le lavage des mains. On le dit et on le répète, les gens pensent que ah, moi je n'ai pas mangé, je n'ai rien touché, pourquoi je dois me laver les mains? Alors que pendant ces moments, on met l'accent sur le lavage des mains. Parce que les virus ici, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour limiter, bien minimiser sa provocation et se protéger. D'abord, c'est laver régulièrement les mains. Donc moi, je trouve que c'est une bonne coïncidence que ces deux journées se coïncident avec, dans le contexte de Covid et dans la pratique sage-femme où on est dans les maternités, on doit toucher les mètres rubans, on doit toucher les photoscopes, on touche par-ci, par-là et régulièrement, on doit se laver les mains. Et que les sages-femmes aussi qui me suivent, qu'elles puissent aussi sensibiliser les femmes. Les femmes qui viennent doivent aussi apprendre à se laver régulièrement les mains. Depuis la porte, elles doivent se laver les mains, disponibiliser ne fût-ce que le point d'eau. Les dispositifs-là de lavage des mains, ça ne coûte rien. S'il s'agit de la protection de ces femmes-là qui viennent vous consulter et de vous-même. Donc, disposer cela pour que le lavage des mains soit vraiment régulier dans les maternités. Madame Aurélie, on va un peu parler en lingala, puisque la population kinoise aime aussi qu'on parle en lingala. Oui. Lélo, maman, toujours, depuis la journée internationale, il y a sage-femme. Babotissi, voilà, comme on le dit. Maman, au babotissarabana, est-ce que les lots matéria kilo est changé par rapport à Covid? Est-ce que matéria kilo est changé avec la situation de Covid? Par rapport à Covid, merci, maman, bienvenue. Nakolo ba ke changer thème ebaki sami parce que en dehors ya auto banda ekolo bana ba mama na mateya na kilo donc faut mikolo yo sage femme nyo se sika zali akosi sa mateya na ete sans que alobela likambo ya Covid 19
Donc la meilleure des choses à faire c'est qu'on vende dans l'endam. On vende dans l'endam. Mais comme on a la zemi, on a obligé au Obima. Obima pour au yako landa kilo na yo. Mais avant Obima, salanini, Luca, masque na yo, lata masque. Parce que au kokota ba transport, au kokota na ba tunanzela, au kosala boye na boye. Donc lata masque na yo. Et puis avant Obima, on se voit na ba bogo, on se voit ma bogo na yo. Au matin na motuka. Au Kiti, soki, parce que peut-être distance y a Kokita na mutu kana ko ma place ozo ke landa kilo et ça va musika. C'est comme ça que ba lobby que soko za na mai pembeni te, il faut za un effet que na moi solution na yo to bengi solution hydroalcoolique ou bien désinfectant au bazo bazo te ka ba 1000 francs et comme te ka na ko to banzela. Donc maman nyo so soko zo bima, soki mai za pembeni te, a tchamo solution na yo wana a pousani soko komi na hôpital avant ko ta franchir. Na otu lebel kambuya triage non donc soit comme na hôpital ba koyambaye avant ya côté na maternité ou bien côté ya Rolande la kilo bako lekisa na ba kambu nyose ba sala place wana asukoli swabo alors ba teke ngapema masko ba mama ba bazolo ba bongo ba mama ba bazolo ba bongo yango tozo sensibiliser bango to yisa ok non mieux vaut moi pema wana ebo makate mais malade wana. Ce que j'ai maman ya zemi et comme ko bomaye na tango amuke parce que déjà zemi ezo rendre vulnérable a même mutu na katina azaye mo côté alors nyoso za na wana nzoto azo partager ona na mwana ce qui fait que moi immunité na ye ezaye ko ezaye ko kitandambo alors pour cela pour mi batela landa ka makambu nyoso wana si porter moi pe mawana ya masque. Nanda ko soka za na yemoko akola ta masque te mais so ayebike akobima na balabala ko mataba transport akuta na bato akende wenze alati mo masque na ye ezo protéger ye na mo na ye et puis so akomi na hôpital asukoni maboko alegi balegi sie côté ya sage femme wa yambaye so basololi ba esili daye kut mate ya ndenga na lobaki liboso mama bienvenue mate ya kut mikolo yo donc e bagisa mi susu. Et ça, c'est ma gambouille. Je suis en train de faire des choses. Si tu es basse, tu es 40. 40. 40, tu es en train de faire maman, oye, maman, oye, maman, bonjour. Tu es maté à thé. Et ça, je suis en train de faire des choses. Sage-femme, nous sommes dans la minute où il faut aménager le calendrier pour que par jour. Aïe, ma minimum, il y a basse. Et puis, maté, il y a un basse dans la salle. Et ça, c'est insulté parce que moi, si nous sommes. Ah, ça n'a problème là. Problème là, maman bienvenue et ça problème là. Problème là, et ça problème là. Alors, et ça la sou bien te ko chabat basinyo so na sal moko ko tuna ba maman yo kini. Maman yo ne te. Et comme il kambuya, sage femme na moisi. Sage femme vandi, a bengi maman bienvenue kota. Maman bienvenue à koti, ba garder distanciation. Ce qui s'agit à examiner parce que to ko le batte distanciation et pas la buso. Et ko sim batte. Parce que il faut nasi mbamo si wana, il faut naye ba mwana zo respirer, est-ce que mwana zo pema, est-ce que nasi mbama mama wana. Donc ndenge za wana ndo na lati o yanga na se protéger na sukoni mabogo na nga na lati équipement na nga nde na pousani pembeni na yo mwa so za zembi na toucher na sale examen yo so après sili to silani to pesani matéria msusu azongi ne nda et puis na pesé msusu matéria ke so zongi ko tambola tambola parce que to zo mona ba mama mama yo za na zembi. Osa na zemi, oso tambola. Oh na kende ko tala mama we, na kende ko tala noko te. Asa personne vulnérable. Voilà, asa vulnérable, asa à haut risque. Surtout na mama oto solo ba kambuya COVID-19. Donc ba mama bele ba vanda la bandaku. So ko za rendez-vous na hôpital de respecter calendrier. Okay. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mais je vais donner la parole à madame Aurélie. Pour lancer un message ou une sensibilisation encore par rapport à sa profession et surtout par rapport à cette pandémie du COVID-19. Elle peut lancer son message à l'endroit des autorités, à l'endroit des partenaires. En tout cas, je lui donne le champ libre. Deux petites minutes, maman Aurélie, si vous pouvez vous adresser aux autorités par rapport à cette journée du COVID-19. Merci beaucoup. Par rapport à cette journée internationale de la sage-femme. Merci, maman, bienvenue.
Alors là, je vais m'adresser vraiment d'abord aux autorités, parce que la responsabilité des sages-femmes, c'est entre les mains des autorités, en l'occurrence le ministère de la Santé. Alors, par rapport à notre profession, c'est une profession qui n'est pas jusque-là valorisée, parce que là, la profession n'est pas réglementée. C'est comme ça que nous lançons encore un plaidoyer auprès des autorités pour réglementer cette profession. Parce que si la profession est réglementée, ça va protéger d'abord le public. Le public, c'est les femmes là, le public, c'est toute la communauté, de dire que qui est sage-femme et qui n'est pas sage-femme. Soit on est sage-femme, on est compétente pour faire le travail d'accompagner les femmes, soit on ne l'est pas. Si on ne l'est pas, c'est un danger et c'est le danger public. C'est le public là qui sera victime des soins inappropriés ou bien des soins qui ne correspondent pas vraiment au problème de cette population là, tout simplement parce que les personnels, bien les professionnels qui est devant cette population là n'est pas approprié, bien adapté. Donc à chacun son travail. Le travail de la sage-femme, c'est l'accompagnement, comme je le venais de le dire. Et la sage-femme est formée pour accompagner les femmes et les nouveau-nés avant la grossesse, pendant la grossesse, pendant l'accouchement, après l'accouchement, bien sûr. Alors ça, c'est un message que je lance vraiment auprès de nos autorités. Si vous pouvez songer vraiment à réglementer cette profession sage-femme, ça va aider à la protection du public et à toutes les sages-femmes aussi, partout où elles sont, qu'elles ne baissent pas les bras. Nous les encourageons, nous les félicitons. Nous savons que c'est un travail difficile que nous faisons, mais nous vous demandons encore, surtout pendant ces moments, d'être encore plus fortes. Protégez-vous, s'il vous plaît. Protégez-vous, la maladie est bien réelle. Et ça va aider la femme que vous allez accompagner, son nouveau-né, et vous-même aussi, et votre famille. Parce que si vous êtes infecté, donc c'est toute une famille qui sera aussi infectée. Vous allez rentrer à la maison et c'est la propagation du virus. Et à nos partenaires aussi, nous remercions nos partenaires. Vraiment, UNFPA, OMS, Japa Hugo, IPAS, Chalina, je remercie tout le monde. Si je n'ai pas cité, vraiment, je sais que vous êtes nos partenaires. Voilà. Nous vous remercions beaucoup pour les soutiens que vous continuez à apporter aux sages-femmes. Et votre contribution, surtout pendant ces moments, là où vous êtes, si vous avez une responsabilité d'accompagner les structures, ne voyez pas seulement les gens qui sont dans l'unité prise en charge du COVID. Pensez aussi qu'il y a les sages-femmes qui sont à la maternité et qui peuvent recevoir les femmes à n'importe quel moment. D'accord. Donc, merci à vous tous. Merci aussi à vous, madame. Je vous en prie. Merci beaucoup. En tout cas, nous allons vraiment terminer par le message que madame Aurélie vient de dire. On pense aux autres personnels du COVID, mais on oublie la sage-femme qui est aussi exposée. En tout cas, vraiment, il faut penser à cette catégorie des professionnels de la santé. Mesdames, Messieurs, cette émission est terminée. Je vous retrouve vendredi 15h pour la rediffusion de cette émission et mardi prochain pour un autre numéro. En tout cas, grand merci à tous nos partenaires qui ont mis les moyens pour la réalisation de cette émission. Je vois l'UNFPA, je vois le SANRU, l'OMS en tout cas. Merci pour votre soutien et tous unis, nous vaincrons le coronavirus. Bonne soirée chez vous, restez chez vous et surtout, surtout, n'oubliez pas de respecter les gestes barrières. J'ai fait une émission aujourd'hui avec mon masque. Mon invité aussi avait son masque et nous avons respecté la distanciation sociale. Faites de même chez vous. La maladie existe et protégez-vous. Au revoir. Merci. Bonne fête à toutes les sages-femmes. Bonne fête.